Les deux expériences sont très très enrichissantes parce qu'au final, de Nike, vous êtes entouré avec je ne sais combien de ressources presque illimitées, des développeurs, des ingénieurs, des gens très talentueux dans tous les domaines qui viennent des quatre coins de la planète. Ouais. Dans l'exemple de Bagua, on se retrouve, comme on dit, au four et au moulin. Et, ouais. Et surtout Philippe a devoir faire soit le tour de la France en voiture de loc pour passer d'un shop à l'autre en disant regardez ça c'est mes chaussures, ouais. À partir en Asie pour faire un suivi de production, un quality check comme on l'appelle, pour voir quelles sont les chaussures qui rentrent dans les boîtes et qui traversent le monde pour arriver ensuite et gérer la distribution, la communication, les ventes et, okay, et surtout bah, récupérer l'argent auprès des shops. Ça c'est bien aussi. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais. Bagua a une expérience quand même assez magique parce qu'on s'est quand même retrouvé. Que ça soit à l'autre bout du monde en Indonésie tous les deux à essayer justement de mener à bien le développement des chaussures sans ouais. personne d'autre mmh. à se retrouver face à des mecs du Wu-Tang à New York qui vous parlent de collaboration et trucs, on a plus l'impression de faire face à deux gangsters dans un shop à l'angle de je sais plus quelle rue, de construire, et, un, stand de et de construire un stand au bread and butter où là ouais. l'exemple du bread and butter est cool parce que c'est la première fois qu'on se retrouve dans la camionnette ouais. de l'autre côté ouais. avec tous les routiers qui sont là pour installer les agenceurs, les différents stands. On est en train de parler les gars, comment... Dans une petite marque, il faut mettre plusieurs casquettes et il faut tout faire, que c'est de la prod à la distribution, à la logistique, etc. C'est vrai, mais c'est ça qui est enrichissant parce ouais. que tu mets plein de casquettes différentes et t'apprends plein de métiers en un. Ouais. Après maintenant, l'état actuel des choses avec Bagua, c'est qu'on a... Eric a son studio de design qui marche vraiment bien avec Ludo. Roth, ancien Strasbourgeois, encore qu'on embrasse très fort. Ouais. Et à Ludo. Peace. Et partout, peace dans le monde, mais pas sur ma voiture. Et, tu la coupes celle-là. j'y vais. Alors, non, le futur de Bagua, écoute, il va exister sous une autre forme, avec des nouveaux associés, ça va le faire, et on va vous tenir au courant très prochainement. Il ne lâche pas. On compte sur vous. Et voilà. Si vous aviez un petit truc à dire à tous les fans de sneakers, c'est quoi ? Marcher pieds nus. Salut Bissoma. Biston, c'était vraiment sympa d'être ici. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va manger une bonne petite flammy. Allez, à plus ! Drop the mic. Parfait les gars, merci beaucoup, vous êtes magiques.